Aman Benson. Le journal des stratèges. Et on passe à un rapport de la Banque de France qui nous dit qu'il y a un risque élevé de cyberattaques dans la finance. Donc, selon ce rapport semestriel d'évaluation des risques du système financier qui a été donc publié par la Banque de France, depuis la crise sanitaire, l'exposition importante du secteur financier au risque cyber a été accentuée par la nécessité de basculer massivement et rapidement des actifs financiers vers le télétravail et la prestation de services à distance. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu d'incident grave à déclarer, mais étant donné le degré élevé d'interconnexion dans le système financier et à travers les technologies, certains cyber-incidents pourraient toutefois affecter la stabilité financière à l'avenir, précise le rapport. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges, qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique Média, La Lettre des Stratèges.